Ah, la tête, c'est bon. Non, ça va. Connexion, Isali. Je vais bientôt me étonner la bandit Koto. Isali. Vous êtes comme des Isali. Il y a solo. Alors, sorry. Oh, je cherche à mettre. Oh mon Dieu. Attendez, on va essayer de mettre le microphone. J'espère que vous allez m'entendre. Désolé, hein. Parce que. Ça va, quand on court à gauche et à droite. Bonnet, s'il te plaît. Tiens-moi comme ça. Pardon, tiens comme ça. Ouais. Je vais mettre ça ici. Alors, tu peux faire rentrer ça ici. Vas-y, dépose ça là-bas. Ok. Ok, sorry. Allez, c'est bon, vous m'entendez là? Là, c'est bon, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Bonjour le monde. Bonjour. Nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo. Ben, il est quelle heure? Il va être 7h. 7h20. À ma montre. Bonjour. Athénée de la Gombe, jour de vote. Ben, je vais reprendre. Sorry, je devais réduire quelque chose et donc, c'est comme ça. Allez, je disais bonjour. Nous sommes en République démocratique du Congo. Pour ceux qui prennent cette vidéo, c'est aujourd'hui que les Congolais vont voter sur l'ensemble du territoire national, on va dire. Les nouveaux dirigeants, on va dire le président de la République, les députés provinciaux, les députés nationaux. Si vous m'entendez sanction, sert, dites-moi, parce que j'ai eu un gros souci avec mon matos. Mais je crois que là, ça marche bien. Alors, je suis à l'Athénée de la Gombe, à Kinshasa, centre de vote. Les électeurs sont déjà là, les premiers électeurs sont déjà là, mais le premier électeur n'a pas encore voté jusque-là, mais dans la salle. Alors, on a vu que le dispositif était pris. Il y a des témoins qui sont là. Dans les différents bureaux de vote, tout est organisé. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu. Voilà, là nous sommes dans un couloir. Sorry, je vais faire ça. Ok. Nous sommes dans un couloir qui mène vers un bureau de vote. Ok. Ce couloir-là nous mène vers un bureau de vote. Attendez. Voilà. Alors, j'espère que le son, il est bon. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Voilà. Là, c'est des témoins, des observateurs qui sont là. Il y a dans le bureau de vote déjà ceux qui vont devoir travailler. Je n'ai pas maîtrisé les noms techniques. Les assesseurs. Attendez, je vais le chercher. Ben, voilà, ils sont déjà là. Il y a des observateurs. Ça, ce sont des observateurs, vous voyez. Et à l'extérieur, regardez. Alors, depuis Kinshasa, Massina, dites-moi, vous m'écoutez, depuis où? Voilà. Hey, bonjour. Alors, les premiers électeurs sont déjà là, madame Coco Boitia. Mais Nicole, ça me fait coco. Mais il y a un co à l'intérieur. Mais oui, mais c'est pourquoi j'ai dit coco. Nicole Boitia. Ah, c'est votre mère. Bonjour. Ok. Alors, de l'entrée jusqu'ici, est-ce que vous êtes plus ou moins satisfait de la sécurité, de l'accueil, de la sécurité logistique? À l'entrée, il y a des policiers qui prennent des portes, qui contrôlent absolument tout. Et on nous dit que je dois venir, mais on est là, on va faire. Et
Et donc, vous amenez la grand-mère, la maman. C'est ma mère. Ok. Elle est là, malade. Donc, il y a quand même. Je ne sais pas s'il y a un dispositif pour les personnes qui sont malades. Âgées. Je ne sais pas, ça, je vais demander. Peut-être lui trouver un siège, une chaise pour qu'elle s'assoie. Ben, voilà. Allez. Ils n'ont pas encore ouvert. Non, le bureau là-bas est ouvert. On attend, je crois. Je ne sais pas si c'est un signal, la liste. Mais sinon, je viens de l'intérieur. J'ai vu que les dispositifs étaient quand même. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, madame. Allez, regardez. Bonjour. Regardez, par vous-même, donc, des électeurs qui sont déjà là. Regardez-moi, Phil. Alors, ils viennent. Voilà, en famille, ils viennent en solo, ils viennent en couple. J'ai vu des nouveaux majeurs. J'ai vu. Et donc, voilà. Ils sont là. Donc ici, le vote, proprement parler, n'a pas encore commencé. Mais sinon, voilà. Ne vous en faites pas. Alors, dites-moi d'où vous me suivez, si vous êtes en RDC. Dans quelle partie du pays est-ce que vous suivez cette vidéo? Et chez vous là-bas, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les échos de chez vous? Rodrigue, s'il te plaît. Quels sont les échos de chez vous? Mais sinon, j'ai essayé... Entre-temps, jusque-là, j'ai... Regardez-moi Monseigneur Donatien Cholet. Je vois Monseigneur Donatien Cholet qui arrive là-bas. Qui arrive. Monseigneur Donatien Cholet, bonjour. Ça va bien. D'accord. Bonjour Monseigneur. Ça va et vous? Ah, vous-même? Depuis quand? Depuis quelle heure? Non, je suis observateur itinérant là, je suis pour aussi voter. Je crois que je suis enrôlé là-bas. Vous êtes aussi venu voter? Ah, bien sûr. Les prêtres votent aussi? Ah, bien sûr, on est citoyen. Les religieux. Ok. Mais comment vous avez. Les premières impressions que vous avez de l'organisation? On fait un premier communiqué vers 10h, on est en train de recevoir les informations de nos points focaux. Voilà. Vous êtes arrivé ici à quelle heure? Non, je viens d'arriver. À peine? Oui. Vous connaissez où vous allez voter? Vous pas encore, je dois me débrouiller. Alors, et si vous ne votez pas d'ici une heure, vous attendrez ou vous partirez? Non, je n'attendrai pas, je reviendrai peut-être plus tard. Vous vous donnez combien de temps pour débuter? Je ne sais pas, je vais apprécier. Parfait. Merci. Alors ça c'est Monseigneur Donatien Cholet, je crois qu'il cherche peut-être de l'autre côté ou pour aller voter. Quelqu'un peut me donner un papier mouchoir s'il vous plaît? Voilà. Il est observateur itinérant de la MOE, mission d'observation électorale. Moé Senko. Il faut rappeler que la Moé Senko a déployé 25 000 observateurs à travers la République. Vos observateurs sont déjà sur terrain? Ah oui. Voilà. 25 000 observateurs pour observer les élections. Gloria Senga. Est-ce que je pourrais avoir un papier? Voilà. Comme ça que ça se passe. Madame, bonjour. Madame. 25 000 observateurs pour la mission d'observation électorale SENCO-SCC. Merci ma chérie. Donc, voilà. Et nous sommes là. On attend. Et vous, ça se passe bien chez vous? Est-ce que jusque-là, tout va bien? Il est quelle heure? Est-ce que vous avez déjà voté? Est-ce qu'on peut avoir l'image de quelqu'un qui a déjà voté? Monseigneur Cholet est venu voter. Il attend. Notre-Dame.
qui est là-bas pour recevoir? Ami Kondo, il n'y a pas de dispositif électronique de vote. Hein. Bon, on verra bien. Ok. Ah, Rodrigue. Ou bien, on a papier, s'il te plaît. Attention. Un instant. Là, ça, c'est des électeurs qui arrivent. Les véhicules sont autorisés d'accéder. Mais moyennant contrôle. Hein. Oh, oui, non, oui. Les véhicules sont autorisés d'accéder. Désolé, alors, et l'observateur électoral. Il y a les médias qui sont là, des journalistes. Allez, on va essayer de... Là, c'est Monseigneur Donatien Cholet. Alors, je vois des 20-20-20. Votez le numéro 1 depuis Lubumbashi. Bonjour Lubumbashi. Bonjour Congo. Bonjour Djambo. Bonjour Abari. Bonjour Betouabou. Mbotekienu. Moyo. Voilà. Là-bas, vous voyez Monseigneur Donatien Cholet. Regardez Monseigneur Donatien Cholet qui discute, je crois, avec un observateur de l'Union africaine, je pense. Union africaine, observateur hop. Avec Donatien Cholet. Ici, des électeurs qui continuent, qui arrivent. Bah, ils étaient 1, 2, 3, puis, regardez. Mulongo Ezoko Bakisama. De plus en plus, ils deviennent, ils arrivent de plus en plus. La file était là-bas. Puis elle avance. Puis elle avance. Corinne Kachuema. Alors, dites-nous, à partir d'où vous nous suivez. Bonjour ma chérie. Dites-nous à partir d'où vous nous suivez. C'est qui m'appelle? À partir d'où vous nous suivez? À partir d'où vous allez voter si vous êtes en RDC? Alors dites-moi. Vous pouvez interagir, hein? Vous pouvez laisser un message, mais appelez bon si vous le voulez. Hein. Ouais, ceux qui veulent participer. Mais sinon, on a un numéro de téléphone. Vous pouvez me signaler pour ceux qui le peuvent. Peut-être que la connexion, vous pouvez éteindre la connexion pour préserver la charge de votre téléphone. Je vais laisser un numéro de téléphone. Ouais. Je laisse un. Apparemment, de l'autre côté, ça veut commencer. Apparemment, je vais voir de l'autre côté. J'ai comme l'impression que le premier votant va déjà remplir son devoir civique. Depuis Seattle. Depuis Seattle. Ok. Ok.
Vous connaissez le numéro 082 41 91 502. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui. 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 Vous êtes dans le territoire de? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Ok. Une machine ou qu'un bus. Et donc, je vois comment la commune a organisé l'extension de ce capital. Alors qu'il y a des gens qui se trouvent en train de faire un. Ah, d'accord, ok. Vous avez dit, vous êtes dans quel territoire? Ok, ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le candidat. Ça marche, maman? Ça marche. Je suis venue juste prendre ça et puis. Le premier candidat ici à voter? Il n'y a personne encore. Ça va. Encore? Ça commence maintenant. Hein. Oui. Là, je vais d'abord, je vais faire un direct pour le journal de 8h et puis je reviens. Et tu peux aller sur l'intérieur. Ok. Oui. Essayons de voir si on peut montrer. Ouais, les premiers électeurs vont voter. Allez. Sorry, 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 pardon. Pardon, chef. Pardon, pardon, papa. Pardon, papa, je viens juste passer. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, été. Oui. Oui, maman, policier, pardon. Journaliste. Pardon, chef. Voilà, ici, c'est le premier votant qui entre. Allez, on a commencé à l'attendue de la Gombe. Nous allons accompagner le premier votant. Quelle est la souga? C'est la mission d'observation de la SADEC. Plutôt. Ça, c'est la Pouli, ça va? Sorry. Ça va et toi? Bonjour, madame. Bonjour. Madame, s'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger. Quand quelqu'un entre ici, la première étape, c'est quoi? On vérifie les... Écoute, avant, il est où le président? Mais juste, moi je ne vous filme pas, hein, juste me dire quand quelqu'un entre, il vérifie là-bas, il va ici, il vote et puis après. C'est ici, non? Qu'est-ce que je commence? Quoi ça? Pardon. Allô? 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 Allô, maman? Oui, maman. Ah. Bonjour. Oui. Non, oui, merci. Oui. Moutouni, la tindaki. Mituka o wapi? Mituka o wapi? Mutuka o wapi?
Mutuka oyo wapi? Oh. La pesa bango kasi. Pesa bango. Ah, la liste des électeurs. Les listes sont affichées. Ok. Les listes sont affichées. Bonjour. À l'intérieur, le dev. Et puis, voilà. Je crois que c'est la présidente de la. Ouais. Donc, c'est la présidente de la. Mission de la, voilà, mission de la SADEC. Électorale de la SADEC. Je viens justement. Oui, bien sûr. Vous nous suivez également en direct de A30 Télévision. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est bon? C'est l'isoloir. Vous êtes à Kinshasa, vous me suivez en direct de A30 Télévision sur la TNT, canal 92, voilà, sur la TNT. Vous me suivez ici, nous sommes dans un des bureaux de vote. Il y a la mission d'observation électorale de la SADEC qui vient superviser, donc qui vient... observer les élections et donc dans les différents bureaux de vote, la délégation entre pour vérifier le matériel, si tout est en place, s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas de hoax, ils posent des questions, pourquoi ça, pourquoi si, attention, ils parlent anglais, moi je... Ouais.
anglais et français en même temps. Donc, c'est un peu ça qui se passe pour l'instant. Donc, ils vont, je pense que celui qui est là, que vous voyez, c'est le chef de la délégation, je crois, pour ici. Parce que c'est à lui qu'on donne des explications. Mais il parle anglais et je suis dans un bureau de vote. Ouais. Bonjour. Voilà. Vous allez rendre compte, là, c'est l'isoloir. Quand vous venez voter là. Excusez-moi. Ouais. Dans un bureau de vote, et on regarde. Donc voilà les listes qui sont affichées devant chaque bureau de vote. Sont affichées hein, les listes des électeurs. Mm-hmm. Et partout, il y a des observateurs de la SALEC qui demandent, on va dire, hein, qui veulent en savoir un peu plus sur les éléments, sur le déroulement, la composition, voilà. Liste des électeurs devant chaque bureau de vote. Votez pour votre candidat, pour le candidat qui va dans le programme se rapproche de vos aspirations. Et donc c'est comme ça, devant chaque bureau de vote sont affichées les listes des électeurs, devant chaque bureau de vote. Ici nous sommes à l'Athénée de la Gombe, on est en République démocratique du Congo à Kinshasa, où les électeurs vont devoir voter. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui a déjà voté? Vous avez déjà voté? En commentaire, si oui ou... Observateurs de la SADEC. Ah, ils font leur boulot, les observateurs de la SADEC. Alors, on va dire, les observateurs de la SADEC font vraiment leur boulot parce qu'ils sont nombreux. Nous, ici, nous sommes à l'Athénée de la Gombe. À l'Athénée de la Gombe, où il est quelle heure? 7h46 minutes. On va commencer bientôt, chef. D'accord. Ah, votez pour votre candidat. Chacun a son candidat, donc votez pour votre candidat. Quand arrivera mon tour, je voterai aussi. Bienvenue.
Vous nous suivez aussi en direct sur A30 Télévision. Vous êtes à Goma. Vous êtes en RDC. Nous sommes à l'atelier de la Gombe. Ici. Je vais vous montrer les électeurs qui font la queue. Il n'y a pas de son? Vous ne m'entendez pas? Alors, certains électeurs commencent à s'impatienter. Chose normale, puisque les premiers sont arrivés ici il y a 5 ans. Bon, j'ai vu que dans un autre bureau, et pour ceux qui nous prennent en relais sur qui nous suivent sur A30 Télévision, ici j'ai vu la Monseigneur de la Monseigneur Donatien Cholet. Alors, je vais essayer de sortir avec l'espoir de rentrer pour avoir quelques réactions. À quelle heure est-ce que vous avez voté? Lubumbashi, vous avez voté? Kolwezi, vous avez voté? Bandundu, Kenge, Kikwit, Maindombe, Chopo, Mbujimai, Équateur, est-ce que vous avez voté? Alors, si vous avez voté, veuillez vous manifester ou nous dire, partager avec nous votre expérience. Donc, vous pouvez nous joindre au 082 41 91 502. Joignez-nous si vous avez une expérience à partager de comment ça a été, combien de temps vous avez passé dans le bureau de vote, quelle a été votre expérience. Voilà. Est-ce que vous avez voté? Voilà. Partagez-nous votre expérience de vote. Parce que ici, nous sommes. Ici, nous sommes à l'Athénée de la Gombe. Votez. Ben, bon vote à vous. Je vais voir un nouveau majeur. Le mien, il a voté déjà? Non, pas encore. Bino Peboyo a voté? Boyo a voté. Pour combien Yarnin? Pour combien Yarnin? Pour combien Kassiko? Même pas 5 minutes. Ben, au moins Yango Nengenin. Kobandana Katikuna. D'abord, Kolo Wandaku, Koya Awa.
l'équipe bien le Kolonganda Kukoya awa au commis bien transport normal mon boulot est là. Tango komi awa libanda kuna bayambi au bien ba policier bazana porte est-ce que ba contrôler au bien nungu nungu ezali libanda eza ba policier baza ba kotona na mwa amete sekurite awa est-ce que ozozi la okota bo ozo lukande selon ndo bazali program na bango ba ba lete ya prophétique yo lettre no alphabétique bandi na lettre ni ok, merci beaucoup, papa. Yopé, vas-y, Boni. Combo Nani, comment nous soleil? Waouh, roi soleil. Au combien y en depuis 6 heures? Ok, ben au tout ni bango, bye bisio. Bah, ici au Pôle-Nini, au voté non monté. Bon, même la tunique, on a vu la bataille. Bazo, bon, ça déjà. Alors, dites-moi si vous m'entendez, parce que moi, je ne sais pas, mais ça m'indique que le son passe. Le son passe, 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 passe. Donc, Oza Wati Erni. Ah, juste à 5 minutes. Ti au voté. Atati 17h. Ah oui, hein. C'est yo. Donc, yo, au Golimbana, yote, ti 17h au Govanda. Ah oui, oui. Ok. Mais bonne chance, soleil. Merci. Alors, on me dit que mon micro ne passe point. Ah non, peut-être parce qu'il parle bas. Parce qu'il y a un Olobini, papa. N'a pas son micro? Au Koloba, les cabots. Apparemment. Ah, les sons des interviews ne passent pas. Il y en a bon que ça sent. Hein? Oh, merci beaucoup. Alors, j'espère que le son passe bien. Voilà. Papa, mbote loba mon makasi. Mbote maman. Où tu wapi? La où tu m'as dit. Alors, je vais enlever le micro. Je crois que là, vous allez ramasser ton micro. Passe très bien, mais celui des interviews. Ok, j'ai enlevé carrément le micro. Papa Mbote. Mbote, maman. Olobi Kombonani. Bonjour. Outi commune ni Nyolobi. La outi commune à Matete. De Matete ti Gombe. Au combien y a un dégain? La zala kofanda awa na Gombe. Na samusala. Ah. De tango bazo zwa enrôlement yozaki na Gombe. Yango zongi awa. Po ya ko vote. Au combien y a un dégain? Bon. Na combien wa. Kalate pas même 10 minutes. Yabisanga nanu. Pona yo. Qu'on vote l'ingolaxen. Pourquoi nous avons voté? Pourquoi nous avons fait des nandakoutés? Au lobby de l'ONAYA, n'aya qu'on vote. On a un amour en boca, n'a rien à y'a qu'on vote. Où ils ont d'être les alcools, les pandas y'a solo dans un lit. Donc, moi, n'a mort y'a solo solo à la volonté, y'a mon aïe. Oui, bien, nous avons voté. T'es dans l'hôpital au Tangaï. Au Tangaï, tiens. On a un candidat là. On a un candidat là. Président, député national, député provincial, nava conseiller communal. Naïbinde numéro 1. National, il n'a pas de mais professionnel, il n'a pas de c'est vrai ça. Au Ponaka, à Boué. Au Ponaka, moi, je ne peux pas retourner à au Talakaka, et l'on y est, c'est bien ça. Maman, ok. C'est quoi qu'on vend à Tian? Depuis au Longwe Ndaku, tu es au Komiawa. Mon boulet salami?
Vous même nous à l'aise. Police peut le même moral. À toi les la félicité police. Les penza moral la banque ça bien. Bas à la gare à bon. Y a tel excuse. À ça nous salue bien police. Les penza ça. À ça nous salue. Police bas à la rendez-vous. Ambe taraba tout fort. Les normal. Ok. Merci beaucoup. Olobi comme là yo. Nani? Évariste Petchiko. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Donc voilà. On continue à la tenue de la Gombe, toujours. Les gens commencent à... Alors, Awasiko, yo, bah témoin de Bazokota. Donc nous sommes en direct, en même temps sur A30 Télévision, bonjour. Naba téléspectateur Bazolanda Bissona A30 TV depuis Kinshasa na TNT. Restez scotché parce que Topé Sabino déroulement. Il y a votre Ningezo Salama.
Donc, on va faire le possible, hein, de notre possible, pour trouver Sabino. Voilà. Trouver Sabino, bah, information sur l'élection à Ouattouzan, à Centrea. Athénée, bonjour à ceux qui nous suivent sur A30 Télévision. Bienvenue. Collège ou puis machine, ils avaient OK. Donnez-nous, écrivez-nous en commentaire, place Bozali. Alors, nous, on est à l'Athénée de la Gombe. Le Bandi, Bossala, opération de vote. Dommage que je ne peux pas être dans tous les bureaux, mais les équipes d'A30 Télévision, d'Actu30.cd sont un peu partout à travers la capitale. Tokabwani, Oyake Tchangou, Oyake Funa, Lukunga, Namo Amba. Mais aussi, je veux saluer notre grande équipe de correspondants à travers la République, dans ma province. Oyobazo Salapé Moussala pour nous envoyer des éléments. Ça là quand même sérieux. Voilà. Donc c'est un peu ça. Nous correspondons à travers la République. Avec qui nous allons, avec Bango, Rosala, de temps en temps. Na, comment je fais pour nous sa caméra, voilà. De partout vous nous suivez. Siko à Wande, le vote veut commencer. Et j'ai entendu que il a été demandé de prendre les électeurs et de les ramener dans la. Il est 8h ici. Le premier votant n'a pas encore voté ici à Notre-Dame. Alors, on me signale que la Saint-Robert et la commune à Barumbu, machine est athée. Ouf! Vous êtes là? On a vu qu'il y a 4 cocottes. Mais il y a un couloir qui est au pied de ma main. Il y a 4 de ma main. Bon, après, moi, je suis journaliste. Les caméramans me filment. Alors, je disais Oye, Otali Kombo na liste. Otali, hein? Otali, Otali, Otali. Otali Kombo. Et puis, au côté na Kati. Ok, il faut voter. Papa, ouais, non, t'as voté déjà? Bazo, initialiser machine. Ouais. Hein. Voilà. De préparer la machine, on va dire. Bon.
0 téléphone Nana. Nana. Numéro téléphone. Vous n'êtes pas dérangé, les autres qui prennent le son. Ici, c'est dans un bureau de vote. Bureau de vote qui prend les lettres entre K, U et L, U. Donc, la machine est en train d'être préparée, je crois. Techniquement, je ne sais pas comment ça se dit, mais elle est en train d'être réinitialisée. Pour finalement être prête à fonctionner. Donc il y a, quand elle arrive dans le bureau, il y a certaines informations qu'il faut remplir. Voilà, il faut remplir certaines informations dans la machine pour la permettre de commencer à fonctionner pour que les électeurs viennent voter. Sans quoi la machine ne pourra pas s'ouvrir. Et les électeurs ne pourront pas passer. Donc, c'est la routine. C'est dans tous les bureaux de vote que ça se passe comme ça. Voilà. Je vois ici aussi. Voilà. Ici aussi. Ça se passe ainsi. Voilà. Je pourrais déposer matériel comme ça. Ça va? Ça va, ça va. Donc ici aussi, la machine est en train d'être préparée pour recevoir des électeurs. Le premier n'est pas encore entré ici. Alors on va voir. On va attendre dans le couloir. Dès qu'il y a un signe, mais sinon, tous ceux qui travaillent ici signent. Voilà. Sinon, les agents sont là, les agents de la CENI. La tension commence à monter un tout petit peu à l'intérieur.
Vous avez voté? Maman, elle vote. Ah, la première. On a une première personne qui vient voter. Maman, osons voter. Oui, vous votez. Oui, maman. Merci, maman. Vous avez vu là, vous allez voter? C'est où? Vous votez où, s'il vous plaît? Non! D'accord. Bon. Alors, permettez-moi. J'espère que vous m'avez pas fait ça. Si. Si.
Vous avez retrouvé votre nom? Où c'est? Vous allez voter où? Hey, c'est ici donc. Ok. Vous êtes troisième sur la liste. Vous avez dit quoi pour nous qui... Malgré les retards, l'essentiel c'est de voter. Partout où il y a toujours eu quelques failles, même dans les pays développés, on peut dire ça. Il y a toujours eu des failles, des petites failles. Mais l'autre essentiel c'est de voter, de père et de mère. Vous avez retrouvé votre nom sur la liste? Mon frère a retrouvé le nom. Je crois que non, mon nom aussi doit être là. Allez. Je m'appelle Albert Katako Omasumu, de père et de mère. Après cette date, je serai très content de voir ceux que vous pouvez choisir de père et de mère, qu'ils soient présidents et qu'ils soient conscients aussi d'être vraiment les deux pères et de mère. Et penser à nous, les mères. Merci beaucoup, je vous remercie. Père et de mère, ça veut dire quoi? Procédure, elle a été comment? Elle a été longue? Longue à l'entrée, oui. Mais quand vous accédez à la salle de vote, le vote s'est passé. On peut voir votre petit doigt où on vous a mis l'encre. Vous êtes fier d'avoir accompli ce devoir civique? À 100%. D'accord.
Thank you.
Dans une heure ou deux, on va compter celui-là. On va compter combien de minutes il fait dans l'une. Thank you.
gonna spill on papers and stuff. Mais les journalistes peuvent voter partout, non? Hein? Ils se trouvent voter partout. Oui. Comment voter, oui. Comment voter, quoi? Rodrigue? Alain?
Maman Tissita, ça va? Ça va bien. Très bien. Ça va. Maman Loko, c'est comment 7 sur 7 points CD. Ça va sinon? Vous étiez où? Ils ont voté là-bas? Non, pas encore. Ici, oui. Et la police assure la sécurité? Tension monte entre les électeurs. Madame? Madame, vous avez un petit souci? Bon, ce n'est pas à commenter, c'est juste que je cherche mon nom. Et s'il n'y a pas, je vais tourner de l'autre côté. Ah, vous cherchez votre bureau là où vous allez voter. Ok. D'accord, bonne chance. Alors, comme vous l'avez suivi, mon confrère Jefté de 7 sur 7 le disait, comme vous avez suivi, qu'ici à Kinshasa, la plupart des bureaux n'ont pas ouvert. En fait, les bureaux n'ont pas ouvert, pas encore. Les bureaux sont ouverts, mais le vote, l'opération, n'a pas encore commencé. Je venais de suivre qu'à Beni, il y a un bureau de vote qui a été saccagé. Il y a des bureaux qui n'ont pas encore commencé, plusieurs bureaux d'ailleurs, aussi bien à Kinshasa que dans les provinces de la RDC. Mais nous, on est à l'Athénée de la Gombe. Ici, vous venez, le vote a commencé il y a 20 minutes. Oui, le premier votant est déjà parti. Et du coup, vous venez, vous vérifiez les noms sur la liste. Ça prend peut-être 2-3 minutes. Et puis l'opération de vote proprement dit. Alors, le vote a commencé ici. Il est 8h42 minutes à ma montre. Je pense bien qu'il a commencé. Si je prends 20 minutes, ça fait à peu près 25 minutes. Donc le vote a commencé, on va dire, à 8h20 à l'Athénée de la Gombe. Allez-y. Allez-y. Le vote a commencé à l'Athénée de la Gombe. Voilà. Je suis à l'Athénée de la Gombe à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Après, comme ils sont là depuis... pratiquement très tôt matin, les électeurs. Ça crée une vive tension entre électeurs et policiers qui assurent devant. On va essayer de souffler un tout petit peu. Merci à ceux qui nous suivent sur A30 Télévision. Vous avez vu,
Mais il y a les missions d'observation électorale qui sont là, mission de la SADC, moi j'ai vu, la mission de la SADC qui est sur place, j'ai vu l'église, les observateurs de la MOE, SENCO et CC. J'ai aussi vu en même temps l'abbé Donatien, Monseigneur Donatien Cholet. Là, ils sont nombreux qui viennent voter. Ils sont très très nombreux. Alors, dites-moi d'où vous nous suivez. Excusez-nous, nous sommes en direct. Et comprenez qu'en direct, quelquefois, alors moi j'ai ma carte d'électeur. Moi, j'ai fait quand même prudence de bien garder ma carte d'électeur. Elle est... L'original est là, elle est bien visible. C'est avec ça que je vais voter tout à l'heure. Moi ? Comment ? Alors, faites-moi un petit témoignage. Un instant. Il ne faut pas. Vous êtes citoyen congolais ? Mais s'il vous plaît, attendez. Mais je comprends non. J'ai déposé. Caméra Libanda. Ah, commandant. Respectons les ordres. Commandant, commandant, pardon. Une minute, peut te bimika. Pardon, mon conti. Pardon. Au moins, tu as un bureau, tu es pardon. Sokato, s'il ici, pardon, commandant. Na singi pesa, pardon. Soit aussi, c'est qu'à une minute, à ton bimi. Pardon, commandant. Pardon. Bon, c'est comme ça, il faut toujours négocier. Voilà, 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 voilà. Alors, oui. Bonjour. Alors, vous venez de remplir, on va dire, votre devoir civique. D'abord, quel est le sentiment qui vous anime après avoir posé ce geste? Qu'est-ce que vous espérez pour demain, après ce vote? Notre mot d'ordre a été consolidant les espaces. D'accord? Nous voulons un pays prospère, et le président Fachi nous soit réuni, là, bien sûr, on peut faire ça. Est-ce Quels que sont vous... les grands défis que vous avez rencontrés et vous voyez dans ce processus d'élection? En fait, la RDC a toujours un gros problème dans la logistique. Pour ce qui concerne l'organisation, je pense que la CENI a été une grande difficulté à rencontrer la base. Il faut même savoir que ce comité a eu 20 mois de retard en termes de temps de préparation. Et une fois entré en fonction, ils ont tout fait. Aujourd'hui, la date est venue, c'est-à-dire le 1er décembre, l'élection se passe correctement. Bien sûr, aucune œuvre humaine n'est construite. Il est pratiquement 9h, plusieurs bureaux de vote n'ont pas ouvert, le vote n'a pas encore commencé. La volonté est de l'avoir. En anglais, quickly, you just voted, how do you feel? The way it is growing, do you think by 5 o'clock all the people will be ready, because it looks like they open late, so do you think that's a challenge? Well,
I hope sending you can take the stand as well. The more open beliefs to be able to vote today. You visited all the country, the whole country during the campaign and seen and talked with people. What is the expectation for the new government? We come from the very very this country was banned from the regime. And now people first things are changing. I hope you to get the change in their own life. So just expecting this president to take care of my personal life. It's good. So how do you respond to critics who says that during the 5 years he promised to do that but he didn't do much of what he promised? Because you know, the term was 5 years, see? During 2 years and a half, we've been in a coalition with our brothers in the FCC. Thing is, we have the same goal. We want to build a country, to become a better country, and we didn't want that. So basically, we had only 2 years. I don't say that we've done what we promised, but we've done what we could in just 2 years. So we're asking the Congress people to give us the 5 years and then we'll see what we promise. Well, this type of judge to judge. Thank you very much. Thank you. Ils sont venus parce qu'ils seront frustrés tout le temps comme vous avez. Balola, Fati, Béton, Balola. 502-552. À la tenue de la Gombe, comme je vous le disais, vous avez vu ici, le vote a bel et bien commencé.
il y a quelques minutes, mais nous apprenons nos collègues qui sont un peu partout à Kinshasa, dans plusieurs bureaux de vote. Le vote n'a pas encore commencé et certains bureaux n'ont pas encore commencé. Donc voilà ce que je disais. On va essayer de faire le maximum d'interviews possible. Comprenez que nous sommes en même temps en direct. C'est l'ambiance, hein, du jour de vote. En même temps, on profite de cette saison, comment dire, des retrouvailles après. On doit faire des interviews, on doit partager entre les collègues, comme ça on passe les mots, etc. Ça, c'est par rapport à la référence. Donc, on est dans le prochain conseil. Ça bien. Aussi commune. On a ça comme on a un bon avis. On a un bon avis. Et à côté, Bonne chance. Bonjour. 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 Bonjour.
maman a dit mon poids est sur la langue. La cocotte à eux. Merci beaucoup, maman. Alors, ils sont obligés de nous accorder une carte de pas. Mais sinon, nous sommes là. Tu viens? Nous allons nous tomber. Les tombas à la mika, les tombas, bon ça va bandako, basse poula, on va arriver. Voilà. Ah le papa va goûter. Alors tu m'attaques à la carte, hein? Messieurs, vous n'avez pas voté? Vous ne votez pas ou comment? Ma chère dame. Oui. Quelles sont les bonnes intentions? Les bonnes intentions, c'est pour nous. Nous n'avons pas encore voté. D'accord. Vous allez bien sinon? Nous sommes en live sur Facebook, prise en relais par la chaîne Arcante. Avancez comme ça. Et vous votez à quelle heure? Ça dépendra de beaucoup de choses. Hein. On essaie de voir comment les choses évoluent, mais on est là déterminé pour remplir notre devoir citoyen. Mais ici, à côté, pourquoi vous êtes en retrait? Non, parce que j'ai vu comment ça se passe et on essaie de laisser les autres d'abord aller. Pour... Ah, vous êtes patient. Bien, non? Ok. Bien pour ça, Martin Fayoul vient d'arriver. Non, c'est ça, c'est Martin Fayoul qui vient d'arriver. On y va, je vous laisse. Tout à l'heure. On y va. Martin Fayoul. Tu entres très mal là. Comme ça là. Vous êtes direct? Oui, direct. Maman la TV. Ah bon? Oui. C'est qui celui-là?
Dans l'accès. Where's the Andros? You are 230.
ça qui est un kilo, 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 ça qui Je suis en train de tenter de régler. Qu'est-ce pardon? Ici. Si. Mais là, mais c'est quoi ça? Mais tout doucement, non? C'est quoi ça? Oh. C'est prêt ici? C'est prêt? Oui. Il est là. Jim. C'est la destination de la boule. Où sont les affaires de la boule?
Caméraman Libanda, Tobima, pardon. D'ailleurs, pas ici. Il y a un peu. Voilà. Allez-y. Bougez. C'est qui là? Le point phare de la République, ils se sont organisés pour que tout se passe bien. Et moi, j'ai voté calmement, pas calmement, pas besoin de vote, oui, pour entrer. Les policiers et que je sais qui étaient commis à cet effet m'ont fait des problèmes. Je ne peux pas comprendre que la police de la République soit instrumentalisée pour les comptes de l'individu. Mais vous avez vu la réaction du public. Nous attendons le résultat. Merci beaucoup. Êtes-vous confiant de votre victoire? Ben, je suis confiant. Vous n'avez pas vu la campagne? Vous avez vu comment j'ai été accueilli partout? Les images bien trafiquées, l'affluence partout. Vous avez vu Vira? Vous avez vu Founia? Vous avez vu Boutembou? Vous avez vu Boutembou? Je ne cite que ces villes de l'Est. Vous avez vu Beni? Vous avez vu Oisha? Vous avez vu Kisangani? Qui a fait mieux? Qui dit mieux? Ben maintenant, ils se sont préparés pour tricher. Nous irons jusqu'au bout et j'ai dit au peuple congolais, pas de tricherie. Et si quelqu'un s'amuse à voler votre victoire, vous avez l'article 64 que la Constitution vous a donné. Et nous allons descendre dans la rue pour réclamer la victoire du peuple. Président, la CENCO hier a annoncé, je vais annoncer aussi les résultats parallèles de la CENI. Si le résultat est différent de la CENI, quelle sera votre réaction après? Mais nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation CENCO et CC. Il faut une tabulation parallèle des résultats. Et pour qu'on sache exactement qui est gagné. Nous sommes totalement d'accord de ne pas suivre les résultats de la CENI et ceux de la Cour constitutionnelle qui sont totalement différents de ce que donneront les tabulations parallèles des autres organisations qui surveillent, qui observent ces élections. Les Américains, aujourd'hui, on a interprété certains observateurs de l'Union européenne, mais également ceux de l'Union européenne. Je vous ai dit, Donc, vous voyez que ces élections ne sont pas des élections. C'est un simulacre d'élections. Nous avons dit, ils ont dit qu'il y a 71 000 quelques points de vote. Il faut que les élections se passent dans tous ces bureaux de vote. Et s'il n'y a pas les élections qui sont bureaux de vote, nous n'acceptons pas ces élections. Donc, ils savent qu'il ne faut pas les faire. Et nous sommes là. Et Dieu merci. Vous pouvez vous cacher. Vous pouvez tout faire. Quelle que soit la durée,
les jours finis par tomber. Un mot à Lingala. À Lingala. À Lingala. Il est 10h, au voter, on a 10h. Est-ce que tu penses que avant que Bac en bureau, ça sera pas trop tard? Non, avant Bac en bureau, il est où nous a trop tard. Il est où nous a trop tard. Donc, échec aux alatés, le vote peut s'effectuer dans toute l'étendue de la RDC. Nous, déjà, nous on a eu une réponse dans la 4. Ok? Est-ce que Bac au cas, si avant Bac en bureau, Bac a matériel partout, est-ce que Bac au cas? Si Bac au cas, nous sommes tous 5 votes. Quand on a dit que le matin, il y a un tina souka. Quand on a dit que le matin, il y a un tina souka. Quand on a dit que le matin, il y a un résultat, il y a un bâton, 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 il y a une liste électorale, après ça, il y a un bâton, il y a un bâton, donc il y a un résultat pour le peuple à la Libye. Toyokani ? Toyokani. Merci. Voilà.
dire un peu. Téléphone, s'il vous plaît.
Et ça, direct, sur le Jésus le leader. Martin, au voté numéro 20. Maï, papa! What is going on, okay? They put machines that are not made, okay? And if you, because I have my people, they are going around the country, all session calls. What I've learned, that in many session calls, you don't have equipment. Some of them, you have equipment, but you have machines, but you don't have cable. They cannot operate. And as I said, they have prepared the chaos, but they will gain also the chaos, because we are here. The Congolese people want that, and we want all 71,000 something polling stations. Each of them has to open and receive voters so they can vote. If we don't have all of them, we don't consider these elections. Thank you. Okay. Madame, le constat est très simple. Le constat est qu'ils ont préparé un chaos. On leur a dit depuis. Et vous le savez très bien que nous, à la Mouka, nous avons mis en place une organisation que nous avons appelée COEL, c'est-à-dire Coordination des opérations électorales de la Mouka. Et nous avons suivi, monitoré toutes les activités de la CENI. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme. La CENI a commencé par à ne pas organiser l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a des électeurs qui sont là avec des cartes qui sont illisibles. Et la CENI dit qu'elle a plus de 71 000 bureaux de vote. Et nous demandons que dans tous ces 71 000 bureaux de vote, que les gens votent. Sinon, nous n'accepterons pas le résultat de ces élections. Les chaos que M. Kadima a préparé, son désir, sa volonté de faire passer M. Félix Tshisekedi, qui a échoué en 2018, voilà, il est bloqué et il sera bloqué. Voilà, madame. C'est bon. Thank you.
existe toujours, toujours. Existe toujours. Martin Fayulu a voté ici, à la tenue de la campagne. Non, ça passe. Dès qu'il y a un problème dans ce sens-là, il faut que tu y ailles. Bon, vas-y. Lève-toi. Eh, regarde. Bride. Bride. La voiture du Momo. Captain F5 n'a pas besoin d'une pied. C'est toi qui es venu placer les amis. Isaac. Ça a du cas. Je mets ça sur Twitter. Voilà, il y a le direct à tout le temps. Bon, sur X, disons Twitter, ma connexion déconne un tout petit peu, mais sur Facebook ça va. Alors je le disais, Martin Fayulu vient de voter, c'est le seul candidat président que j'ai eu jusque là. Nous allons suivre aussi du côté des autres candidats. Il vient de voter. Il est parti. Ah, je comprends pourquoi ma connexion déconne un peu. Pas encore. Je vote tout à l'heure. Je vais voter même à 16h, 17h. Déjà. Bonjour. C'est un candidat là-bas. Ah ben, attendez. C'est qui? Pardon? Envoyez spécial chef de l'État. Ah, la dame cœur. Stéphanie. La mère, tu l'as fait.
raté. C'est une candidate aussi. Une candidate, Stéphanie Mbongo. C'est une candidate qui vient pour voter. Voilà. Allô, Momba. C'est une candidate qui vient pour voter. Elle s'appelle Stéphanie Mbongo. Bonjour Madame Stéphanie. 20 décembre 2023 symbolise quoi pour vous désormais? Ça symbolise? Ok. Vous êtes vous-même candidate. Vous avez un candidat président que vous portez. Et pour l'ensemble de la République, après le vote, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Pour certains, la CENI prépare le chaos. Martin Fayoulou venait de voter et vous savez que jusque-là, il va être 10 heures. Certains bureaux de vote n'ont pas encore ouvert. Est-ce que c'est le cas de le dire, que la CENI prépare le chaos? En tant que candidate, si certains bureaux ne sont pas ouverts jusque-là, vous aussi, vous en souffrez un tout petit peu. Merci. Ouais. Je suis pour voter. Tout va bien. On nous a le Balingala. Balingala.
déjà. En Lingala. Vas-y, là. Ah, c'est fun. Beaucoup de choses. Bonjour, chef. Bien équipé. Aujourd'hui, c'est... aujourd'hui, équipé jusqu'à la tête. Aujourd'hui, il n'y a même pas, même pas d'excuses. Ce sera une journée trop chargée pour toi. Il va être 10h, dans 3 minutes. Bonjour madame. Bolobi mama. Vous avez précédé. Dans. Vous avez précédé. Les lots pendant pour voter kaka. Pour voter 3 jours pour voter kaka. Pour voter kaka. Alors voilà, je suis en sueur, je cherche du mouchoir en papier. Des Congolais. Aux Olandabiso, à partir de Yawapi, est-ce qu'il n'y a pas un abino matériel est commis place Yozali. Na moni téléphone est chauffé moukier. Alors, aux Olandabiso, à Nakatia Moutouka, pour. Na tiango na moi pio et si la ko oulie ke kata, vous allez vraiment m'excuser que na kota mukie na woki kuna makele les bandits de ce soir. Tiens comme ça, pardon, je vais essayer de
de chercher la clé. Non, ça va. La câble, hein? Apparemment, téléphone chauffé. Alors, nous sommes en direct, comprenez? Bonjour aux fidèles téléspectateurs. Dites-nous en commentaire d'où vous nous suivez. Est-ce que chez vous, les bureaux ont ouvert? Est-ce que chez vous, vos bandits déjà qu'ont voté? Hein? Comme la bisseau, salamo à témoignage. Et à côté, Nabino. Et puis, vos bandits déjà qu'ont voté. Alors, la côte Iboué, pendant les un peu qu'on s'est ressourcé, moi, Mouké, parce que. Bonjour, je suis debout depuis 6 heures, debout, debout, il y a debout, Penza. Et donc. Maï, excusez-moi, je suis en live. Là, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix, c'est le direct. Nous sommes à la tenue de la Gombée. Nous n'avons pas le choix. Et ça va passer comme ça en direct à la télévision. Bonjour à ceux qui nous suivent. Et voilà. Désolé, mais je n'ai pas le choix. Je suis venue me ressourcer un peu, chercher un peu d'eau. Parce qu'il fait très chaud, très très chaud à l'extérieur. Matériel est chauffé. Alors, je n'ai pas besoin que ça coupe. Et du coup, je viens chercher un peu de ma Lily. Maï. Maï. Non, moi, Fanta, non, moi, Lipa. Attends, la plastique, attends. Juste une saumona. La plastique aux yeux, Maï. Pour une saumon, on va rarement bien. Maï. Lipa. Attends, mon colocon ne me dit qu'il fait attention. Oh, je suis en direct. Sorry.
on avait toute sa pension déjà. Voilà. Alors maintenant, on va discuter entre nous. Oui. Donc voilà, ici on est toujours à l'Athénée de la Gombe. Je rentre un tout petit peu parce que mon téléphone est chauffé et clignoté. Téléphone est clignoté, boué. Alors, Poto Tchango na moi, Malili. Mais dites-moi d'où vous suivez cette vidéo. Vous en avez biso à partir ya wapi. Et chez vous, il est 10h. Est-ce que ma bureau est fongwami et pas nabino? Alors, j'attends vos réponses. Vous pouvez m'appeler au 082 41 91 502. Ngalazama Athénée de la Gombe, na Kinshasa, awa bureau de vote. Et Fongwami, ça fait 40 minutes hein, depuis Bato, avant de voter. Namoni Bato va voter. Namoni pe candidat président Martin Fayulu, yen de touti kozwa sikoyo, a voté pe. Namoni ba député Moussousou, ba candidat, Bazali, namoni. Ma peuple fait ma zone voter, mais on pendit koto yo, et on a deux blocs, et bah, bureau. Voilà. Je vous suis depuis, à bonjour, à celui qui nous suit depuis la Swaziland. Donc comprenez, là, je suis dans le véhicule, parce que je viens un peu rafraîchir le téléphone. Vous savez, quand on filme sous le soleil et avec la chaleur, ça chauffe un peu le téléphone. Je suis en dehors, je suis en France. L'ambassade est ouverte. Ok. Vous êtes en France, l'ambassade est ouverte. Très bien. Alors, pour ceux qui sont à l'extérieur, peut-être à l'étranger ou dans les provinces, qui peuvent m'appeler, plus 243 82 41 91 502. Vous qui êtes à l'extérieur, si vous voulez participer, si vous voulez nous faire un témoignage sur le vote, comment ça se passe, vous pouvez venir en ligne. Bokope kobenga, okokipe kokota. Au Cotipé, voilà, na collection pe en direct. Oui, c'est tozo discuter. Hein. Et lui, ils a li solo hein. Entre Bissot, Banamboka, ba maman Moussous Balobi. Mais na yo kipe que na Kinshasa, selon ma journaliste, la Bissot Baza, Bissika na Bissika, que ma bureau est belé et fongwa minam. En fait, ma bureau est zaya ko fongwa, ma en terme, ma porte est fongwa mi, mais na nous accès na vote et pe samité. On a des toyo ki. Na Kinshasa. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça, au fait. Voilà. Tous ma candidat va voter. Vous nous appelez à partir d'où? Vous me suivez à partir d'où? Après ici, je vais partir vers la Tchangou. Non, je commence d'abord vers Lingwala ici. Ensuite, nous vous écrivons en direct d'un centre à Barumbu. Jusque-là, les bureaux ne sont pas encore ouverts. Ok, à Barumbu. On va voir. Après ici, où est-ce que nous allons partir? On va chercher un endroit. Allez.
mission électorale de la CENCO. La mission électorale de la CENCO SCC doit en principe faire le point, le premier point, à 10h à partir du centre de. Oh, j'ai oublié le centre de compilation. Voilà. 10h. Ah, toujours, c'est la base de la bisou, pas calé, bosso. Allô? Allô? Oui, bonjour. Pardon? Chez vous où? Chez vous c'est où? Vous n'avez pas encore commencé? Qu'est-ce que les... Vous êtes sur place? Il y a beaucoup de monde à l'extérieur. Oh là là. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, appelez-nous, dites-nous d'où vous nous appelez. Bonjour, je rappelle le numéro, +243 82 41 91 502. Allô, bonjour. Bien mon chéri, ça va? Quelle nouvelle. Oui, bien sûr, j'y suis. Oui. Là même, votre appel, ton appel arrive, voilà, j'allais dire votre appel. Je suis même en live, en train de faire mon live Facebook, et vous m'appelez. Non, c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. Ça arrive. Oui. C'est pas grave. Ok. Parfait. Merci. Oh Jésus. Je ne sais pas si vous m'écoutez encore maintenant. Alors, je peux vous montrer à l'extérieur, là, les gens qui viennent pour aller voter. Regardez, ils sont quand même nombreux. Ils continuent de venir. Ils viennent. Moi, j'étais juste venue rafraîchir un tout petit peu. Allô? Oui, bonjour. Ah, ok, merci beaucoup. Vous allez bien? Vous allez voter à partir de Paris? Ok. Donc, Paris, France, hein, c'est pas Paris de Bandala. Hein. Oh, depuis que vous êtes parti? Vous étiez fait enrôler là-bas? Ah, ok. Bon, je n'ose pas vous passer en direct parce que les gens vont reconnaître votre voix. Pardon? Allô, Chinois? Je suis... Tu vois là où Martin Fayulu a voté? Oui. Voilà, tu fais maintenant... Non, attends, tu fais maintenant comme si tu voulais maintenant sortir... Le parking là, à côté là. Ok, il vient te chercher. Ton téléphone était, il voulait utiliser ton téléphone. Non. Venez, parce que je suis maintenant dans le véhicule. Là, okay. Le téléphone chauffe un peu. J'ai quelques téléphones ici. Je peux sortir la SIM et les SIM et puis lui donner pour qu'il travaille avec.
Oui, à Pambele, à Banani, quoi. Accent. Ok. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame Rachel, vous allez bien? C'est moi qui vous écris tout à l'heure que nous sommes à Baron. Oui, madame. Oui, c'est juste les sons qui sont juste en face de la maison communale de Baron, là. Donc, les bureaux ne sont pas encore ouverts, on nous attend. Il paraît qu'il y a encore quelques machines, une partie des machines qui doivent arriver. Les gens étaient là vers 6h, 7h déjà, mais là, ils commencent à désespérer. Il y a ceux qui ont déjà la maison, il y avait des films, ils se sont dispersés, donc on attend, les gens ne savent à qui c'est voué. Donc, c'est la situation ici. Je vais vous envoyer une petite vidéo que je fais, je place ici, donc pour vous servir de témoignage. Merci beaucoup, madame. Voilà, mais ce qui est bon est que les gens sont quand même déterminés, ils sont motivés. La sensibilisation qu'il y a eu de la part de la CENI et des candidats, que ce soit la députation à la présidence, donc les gens ont capté le message, ils sont là, ils veulent voter leur candidat. Ils sont déterminés, mais enfin, malheureusement, on attend encore, il n'y a aucun mouvement par ici. D'accord. À l'impossible, nul n'est tenu. Bon courage et voilà. Prenez patience. Merci beaucoup. Bon boulot. Merci. Voilà, ceux qui nous appellent, il est 10h. Oui, Chinois. Avancez, il y a des véhicules qui font les manœuvres. Je vous ai vu. Je t'ai vu. On dirait que c'est toi là. Avance. Il y a une voiture semblable à la mienne qui fait la manœuvre, là. Tu as vu? Avec une... Ah non, 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 ne va pas là-bas. Viens ici maintenant, tout droit. Derrière toi maintenant, tout droit. Non, derrière, devant toi. Devant, voilà, tout droit. Je suis tout droit. Il n'y a que la Jeep ici qui me fait ombrage. Je continue le live parce que je dois aussi intervenir en direct de la télé. Je peux rentrer. Oui, Didier. Allô? Oui? 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 Na liste combo ezati. Na liste combo ezati bo voter. Ah non, yo combo na on a liste ezati. Ah voter. Ma bien ko voter te. Ko voter te. Ce qu'on a liste ezati. OK. Non, ezati. Au Tali, la porte à la bureau, il y a son combo de Zaté. Bah,
Bon, à la limite, mais quand on compte la paix, bureau, nous sommes soins. Non, non, c'est à, non, c'est-à-dire, voilà, les autres bureaux là où il y a A, B, C, G, E, F, M, L, P, O, D, la W, mais quand on route là. Je vais devoir couper le direct parce que on va se reposer un tout petit peu. On est avec les amis, donc à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure. J'ai pas le choix. Moi, je vais couper le direct parce que là, je suis avec des amis. On est dans mon véhicule. Mais non, mais non, mais non. Ok. Elle est déjà passée. Je vais mettre un tuto de comment moi je suis en live. Ok, 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 ok. Mais... ok. Rodex sera comment? Non, je garde ma ligne. Je garde ma ligne. Ok, allons-y. Avec quoi, Sine? Oh, Rachel! 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 En tout cas là-bas, le candidat favori, moi je vous dis par rapport à ce que je suis en train de voir là-bas, c'est numéro 20. En tout cas, jusque-là, là-bas, tout le monde parle de 20, 20, 20, 20. En tout cas, Moïse Katumbi n'est pas vraiment cité, numéro 3 n'est pas cité par rapport au numéro 20. Alors, je crois que nous allons peut-être voir ce soir. Beaucoup tu sais déjà, les autres bandits à mais il faut dire, chers amis, que la République démocratique du Congo aujourd'hui organise les élections. Mais il y a aussi un problème, Rachel, au niveau de la... C'est bon, c'est bon. Il y a des communes, il y a des centres que les machines ne sont pas encore arrivées. Les machines arrivent maintenant, il est pratiquement 11h déjà, 10h14. Donc d'ici 12h, 13h, je crois que tous les bureaux auront les machines. Mais il faut aussi dire que la CENI doit impérativement amener les machines. Parce que le risque, c'est quoi? C'est de ne pas voter. Il y a d'autres populations qui viennent et tout ça, qui ne savent pas voter parce qu'il n'y a pas de machine. Alors on se pose des questions, est-ce que la loi électorale dit qu'il faut qu'un jour qu'on organise qu'on vote un jour seulement ou il faut peut-être avoir deux jours ou trois jours? Parce que vu le nombre de votants, en tout cas c'est compliqué pour aujourd'hui qu'on puisse terminer à 17h comme avait annoncé la CENI. Merci beaucoup. Très bien. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes Okay. Après ici. On pourra faire aussi la exactement, ronde. Exactement, la ronde, on va faire ça. Allez. Votons. Merci beaucoup. En direct de l'Athénée de la Gombe, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais dire bonjour à tous les téléspectateurs d'A30 Télévision, de ceux qui nous lisent également sur Actu30 TV. Bonjour également à ceux qui nous suivent en ligne sur la page Actu30. Bonjour également à tous ceux qui me suivent sur la page Rachel Kitouta, mais aussi tous ceux qui sont arrivés depuis 6 heures qui n'ont pas encore voté. Alors, c'est plutôt calme, bien qu'une petite tension commence à monter, une petite pression commence à se sentir de la part de votants qui sont un tout petit peu fatigués, comprenez. Ils sont là depuis 6 heures, il va être 10 heures passées de quelques minutes,
Il y en a qui n'ont pas encore voté, qui sont malades, des personnes âgées, voilà, des femmes enceintes, etc. Et qui s'impatientent finalement de pouvoir passer et de remplir leur devoir civique. Mais disons, à l'intérieur, puisque j'ai eu à participer à quelques opérations, on va dire pas opérations, j'ai assisté au vote de quelques votants, on va dire, ça ne traîne pas à l'intérieur. Déjà qu'ici, ça a commencé aussi avec beaucoup de retard, on va dire 9h20, 9h15, le premier votant avait commencé. Et à l'extérieur, si vous suivez de l'autre côté, la pression commence à monter un tout petit peu puisque les bureaux ont commencé en retard, bien qu'ils étaient ouverts depuis 6h du matin. Mais on apprend, que dans la ville de Kinshasa, aussi ici, certains bureaux n'ont pas encore commencé à Yiringiri, à Barungu, à Mangafula, mais aussi à l'intérieur de la République démocratique du Congo, des échos que j'ai de ceux qui sont en province. Donc il y a un dysfonctionnement de ce côté-là de la part de la CENI qui, jusque maintenant, ne permet pas aux électeurs de pouvoir voter. Mais nous, on est ici, à cela nous tient. On est obligé de couvrir. Ici, là où je suis à l'Athénée de la Gombe, j'ai vu moi le candidat numéro 21, Martin Fayou, de venir voter. Lui, il a rempli son devoir civique ici. Et ceux qui nous suivent en ligne ont vu Martin Fayou de voter. Nous attendons que les autres candidats viennent aussi. Et si nous apprenons, et si vous savez d'où votre candidat va voter, candidat président, dites-nous, comme ça on fera le maximum, le rapidement possible pour arriver là où il va voter et avoir les images. Mais sinon, ceux qui viennent, il y en a qui sont déterminés, qui m'ont dit, madame la journaliste, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous allons rester ici, nous allons faire le pied des grues devant les portes de la CENI, puisque nous allons voter à minuit, à 23h, à 6h, à 15h, nous ne partirons pas d'ici si nous n'avons pas encore rempli notre devoir civique. Et donc nous sommes là. Depuis ce matin, nous allons accompagner jusqu'à la fermeture, jusqu'au dépouillement. Nous serons ici. Merci à ceux qui nous suivent, à ceux qui partagent, à ceux qui commentent. C'est ça notre travail. Et voilà, depuis l'Athénée de la Gombe, Rachel Guitita, je suis là avec toute l'équipe. Et voilà, on va faire des petites pauses, live pause, pour permettre au téléphone de se reposer un tout petit peu. De charger en même temps. Voilà l'ambiance directe ici. Je vous décris plus ou moins la situation ici à l'Athénée de la Gombe. C'est vrai, je n'ai pas fait tous les bureaux de vote, je le rappelle déjà, mais du moins d'où je suis, de là où j'ai des informations certifiées et vraies, c'est ce que je vous dis. Il est 10h passé, certains bureaux n'ont pas encore ouvert. Et bon, la population est là, déterminée à voter ses candidats. Merci. Again. Yes, my friend. I finish. Okay, this guy is a friend. What do you want? How can I help you? I wanted to use your phone, but this guy is here. What phone? My iPhone or another phone? Only iPhone? I'm going to charge it. So, how long?